Banger, donc super soirée, super live. Hein. Carrément. C'était, tout le monde s'accorde à dire que c'était vraiment génial. Il y en a même qui disent qu'il vaut mieux aller vous voir peut-être que d'aller voir les vrais. Oh, on n'ira pas jusque-là quand même, parce que Iron Maiden, c'est un groupe qui a très très bien vieilli. Nous, on nous l'a dit. L'important, voilà, c'est qu'ils ne le sachent pas après le reste. Voilà. On n'en dira pas. Dans les groupes un peu mythiques comme ça, qui ont une carrière longue, pour pas dire qu'ils sont vieux. Mm. Honnêtement, on les a vus récemment, ouais. Il n'y a pas trop longtemps. C'est un groupe qui continue à très très bien jouer. Le chanteur, il chante toujours très très bien. Depuis un an. Contrairement à d'autres groupes, c'est pas une critique parce que beaucoup le font, mais c'est pas vraiment un souci, mais en tout cas c'est un des rares groupes qui continue à jouer dans les mêmes tonalités qu'à l'origine quand ils étaient plus jeunes, alors que souvent les chanteurs ils demandent à ce que les morceaux soient un petit peu joués plus grave, c'est un peu plus facile. Et eux c'est pas le cas, donc voilà, et ils ont une super énergie, ils s'envoient. C'était un des meilleurs sons de live que j'ai vu sur plein de concerts auxquels j'ai assisté. Le son live est dingue, voilà, il faut y aller en live. Enfin, en tout cas, vous avez fait une très belle interprétation. Merci. Donc, merci. Voilà, le public, hein, encore enflammé. Il y avait hier soir, parce que vous êtes quand même trois de Soldier Side qui étaient là pour le live d'hier soir. On a réussi à se débarrasser des chanteurs, t'as vu. Et c'était le feu, et de nouveau le feu ce soir. Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble pour ce tribute? Là, un mois. D'accord. Et vous êtes tous dans des tributes, à part moi, sur le Soldier Side, d'autres, vous êtes... Tribute Mozart, moi. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Tribute Mozart. Je ne connais pas. Mozart? Tu connais pas si, Mozart? Le compositeur. Tu fais du classique? Oui, j'aime bien. D'accord. Avec un violoncelliste et une chanteuse. Ok. Voilà, guitare nylon, rien à voir. Ah, écoute. Ouais, c'est de la musique. Pourtant, hein. C'est le plaisir, hein, comme d'hab. Bah ouais. Carrément. Et toi, tu chantes dans d'autres tributes? Ou dans? Tribute Bon Scott, c'est ça. D'accord, ok. On en a un aussi, tribute. Squealer, Nice. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, avec Serge Taffini. C'est le vrai Squealer. L'année dernière. Sauf que le vrai Squealer se remonte, donc on va abandonner. Ah merde! Le Squealer des années 80. Eh oui. Et donc là, vous avez d'autres dates, vous avez prévu de faire une tournée en France ou tournant, non. Nous, les groupes qu'on fait, même s'il y a des professionnels dans le lot, ça reste avant tout un loisir. Voilà. Avec la considération et le temps qu'on y met, c'est loisir ça. plus, mais ça reste avant tout une notion de plaisir. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est financiarisé, qui peut nous servir à vivre, à payer nos loyers ou nos crédits, ou la bouffe, ou quoi. Ce qui motive les projets, hein, que ce soit Soldier Side ou Bangers, c'est le plaisir qu'on y prend. Après le reste, ça vient. Si on nous donne des sous, on les prend, il n'y a pas de souci. Donc en fait, non, il y a quelques années de ça, nous en tout cas avec Tony, on jouait beaucoup avec un autre groupe, et puis on a eu envie de faire des choses plus qualitatives et moins quantitatives. Moins de dates, mais des plus jolies dates comme ici, c'est une de mes scènes préférées. Ah oui. Tous les ans, c'est possible. J'ai la chance d'y jouer avec d'autres groupes, on revient cette année donc avec nos deux projets, c'est super, et moi, c'est juste fabuleux. Enfin, le niveau à toutes les cases de l'appréciation d'un événement, l'équipe, la technique, la scène et le public, là ça coche très haut. Là, et là, il faut combien de temps pour préparer un tribute comme ce soir? Iron Maiden. Trois répètes. Ça dépend. Trois répètes en groupe, mais beaucoup de boulot individuel, c'est travail personnel. Beaucoup. C'est beaucoup de travail personnel. Après, le Hellbanger, ça existait avec cette formule-là, avec un autre guitariste que Guillaume a remplacé, notre batteur. Donc il y avait un noyau quand même, voilà, qui avait déjà bossé le truc et qui maîtrisait en tout cas qui était capable de le produire sur scène. Et après, les gens qu'on a pris aussi pour remplacer, donc les gens qui étaient là avant. Ce sont des gens qu'on connaît, qui ont un niveau. Voilà, on ne s'est pas adressé à n'importe qui. Il y a surtout une double notion humaine et technique aussi. C'est pas juste un super batteur ou un super gratteux. Il y a aussi la dimension de ce qu'on vit ensemble et ce qu'on aime bien produire sur scène. Moi, j'aime bien voir un groupe qui propose une belle cohésion, de la générosité, la sincérité sur scène. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi. Bah, vous y réussissez en tout cas. Bah, merci beaucoup.
Merci. Avec plaisir. Et puis, on espère vous revoir Alors, très prochainement. Alors, pour ceux qui seront au Hellfest cette année, on aura la formule Hellbangers en version acoustique sur la scène du Kölz, donc le petit club privé qui est à l'intérieur du Hellfest. D'accord. On va faire les before cette année, donc des petits sets acoustiques pour réveiller les gens autour de 14h avec Best of Hard Rock Metal. Il y aura du Maiden, mais pas que du Maiden. Et voilà, et on joue aussi sur la première soirée, la soirée d'ouverture avant le festival, le mercredi soir en électrique, etc. Donc les gens qui sont dans le coin, là, du côté de Clisson, ils peuvent nous croiser s'ils cherchent bien. D'accord, super. Mais merci beaucoup. Alors ? Prêt ? C'est à toi. Il faut la rappeler, là, aussi. Avec RDV Rock, le talent ne vaut que s'il est partagé. Merci, bravo. Yeah.